أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poursuivons nos réflexions autour du Coran, autour des enseignements spirituels contenus dans le Coran, ces enseignements qui nous aident à nous élever et à nous rapprocher de la vérité. Et pour cette intervention, je vous propose de nous arrêter sur un passage du Coran dans Sourate la Caverne, Sourate Al-Kahf, qui est une très belle sourate, comme vous le savez. C'est une sourate qui recèle beaucoup de subtilités spirituelles. Encore faut-il savoir s'y arrêter et méditer le sens profond des versets du Coran. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un moment important de cette sourate, le moment où le sage, connu traditionnellement sous le nom d'Al-Khidr, révèle à Moussa alayhi salam le sens ou la signification de ces apparentes injustices, ou plutôt de ces actions qui ont dérouté l'intelligence de Moussa alayhi salam. Donc, pour rappel, pour résumer, Moussa alayhi salam va s'engager auprès de ce maître spirituel, le sage Al-Khidr, qui va l'accompagner pour l'éduquer spirituellement et pour lui donner les moyens d'approfondir son cheminement spirituel. Donc il l'accompagne et Al-Khidr va commettre un certain nombre d'apparentes injustices qui vont dérouter Moussa alayhi salam. Parce que ces deux personnes, Moussa alayhi salam qui est un messager, qui est un prophète, et Al-Khidr qui est un sage, eh bien, perçoivent les choses sous deux angles différents. En fait, chacun possède un certain niveau de connaissance. Moussa, quand il réagit, quand il interpelle Al-Khidr, il réagit au nom d'une science, qui relève de la prophétie. Al-Khidr, quand il agit au nom d'une science qui relève plutôt de la sainteté. Donc on a deux niveaux de connaissance. Une connaissance qui passe par la voie de la prophétie et qui porte en général sur la loi. C'est cette loi que portait Moussa et alayhi salam, et c'est à partir de cette loi qu'il condamnait les apparentes injustices du sage Al-Khidr. Tu n'as pas le droit de tuer un enfant innocent, tu n'as pas le droit de détruire cette barque parce qu'elle ne t'appartient pas. Donc c'est à partir d'une loi qu'il connaît, qu'il possède, d'un ilm, qu'il réagit aux actions d'Al-Khidr. Mais Al-Khidr, c'est aussi au nom d'une connaissance, mais plus subtile, une connaissance qui relève de l'intérieur, une connaissance qui relève de la dimension intérieure, c'est au nom de cette connaissance qu'il agit et qu'il justifie ses actions. Donc on a deux ordres de connaissance, deux niveaux de connaissance qui se rencontrent. Donc ces deux connaissances-là représentent la vérité. Ce sont deux aspects de la vérité. On pourrait dire de manière un peu schématique, même si les choses sont beaucoup plus profondes que ceci, il y a la dimension extérieure et la dimension intérieure de la vérité. Alors, quand Moussa alayhi salam interpelle Al-Khidr sur ses agissements à Afwan, Al-Khidr, à un moment donné, va lui dire: mais écoute, tu n'es pas patient, on avait posé une condition, c'est que tu ne poses pas de questions, tu n'as pas su te montrer patient vis-à-vis de cette connaissance subtile. C'est la preuve que c'est une connaissance, cette connaissance intérieure appelle une certaine disposition intérieure, mais je vais quand même te révéler le sens de ces actions, pourquoi j'ai fait ceci. Et là, on va s'arrêter sur le passage du Coran, justement, qui montre le sens et la signification du comportement ou des actions du sage qui perturbent l'intelligence de Moussa alayhi salam. Donc Al-Khidr va lui dire: avant de nous séparer, je vais te révéler, je vais t'indiquer la subtilité de mes actes. Il lui dit: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Qu'est-ce qu'il lui dit ici? Alors vous allez voir la subtilité du propos d'Al-Khidr. Il lui dit: en ce qui concerne le bateau,
il appartient à des pauvres gens qui travaillaient sur la mer et j'ai voulu. Alors, l'expression qu'emploie ici Al-Khidr, c'est fa'aradtu. Il emploie la première personne du singulier. J'ai voulu. J'ai voulu l'endommager parce que se trouvait dans la région un tyran qui s'emparait par la force et par la contrainte des bateaux. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'endommager ce bateau. Voilà la signification de cette apparente injustice qui déroutait ton intelligence. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit Al-Khidr? Il continue de lui révéler les secrets de son enseignement en lui disant « وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا » Ici, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit « Quant au jeune garçon, Al-Ghulam, quant au jeune garçon, il avait pour père et mère deux croyants. Or, nous avons craint qu'il ne les contraigne à la rébellion et à la mécréance, ou à la perversion, ou à la désobéissance. » Et ici, il emploie l'expression « fakhashina », la deuxième personne du pluriel. Il dit « et nous avons craint ». Là, il ne dit pas « et j'ai craint ». Concernant le premier acte, il dit « j'ai voulu ». Ici, il dit « nous avons craint ». Donc, il emploie la seconde personne du pluriel. Il dit « fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra ». Ensuite, il continue de lui révéler ses secrets et ses subtilités. Et il lui dit « وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ » Ici, Al-Khidr lui dit « Quant au mur, ce mur que j'ai redressé, il appartient à deux jeunes orphelins de la ville. Et sous ce mur se trouve un trésor qui leur revient, qui leur appartient. Leur père était un homme juste et ton Seigneur a voulu. Ton Seigneur a voulu. » Ici, il dit « fa'arada rabbuk ». Là, il emploie la troisième personne du singulier. « Il huwa fa'arada rabbuk ». Et ton Seigneur a voulu que, à leur puberté, et ils découvrent ce trésor, leur héritage, comme une miséricorde de la part de leur Seigneur. Donc, dans ce passage-là, il y a un enseignement qui est très symbolique. Al-Khidr va employer trois pronoms différents pour révéler ses subtilités, pour révéler ses secrets. En ce qui concerne l'injustice qu'il commet vis-à-vis de l'enfant qu'il tue, il dit « j'ai ». Il dit « je ». Il attribue cette injustice apparente à lui-même. Quand il était question de détruire Afwan, quand il s'agissait de détruire la barque, il a dit « j'ai ». Il emploie la première personne du singulier. En ce qui concerne l'enfant, il dit « nous ». Pourquoi il dit « nous » Parce que dans cet acte-là, il y a deux choses. Il y a une chose qui relève du mal apparent encore une fois, il y a une chose qui relève du bien. Il dit « nous » pourquoi? Parce que la part, le mal, il se l'attribue à lui, et le bien, il l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal, c'est le meurtre, entre guillemets, de l'enfant. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Par contre, ses parents attendent un enfant vertueux, attendent un enfant qui sera une grâce pour ses parents. Et cet enfant provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il dit « nous ». Parce qu'il y a deux choses, un mal et un bien. Le mal, c'est pour lui, le bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le mur, qui est un acte bien, qui relève de la miséricorde, qui relève de la bonté, qui relève de la justice, il l'attribue totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « fa'arada rabbuk ». Ton Seigneur a voulu que je redresse ce mur parce qu'il recouvrait un trésor, un héritage qui appartenait à des orphelins. Donc, je, nous, il. Et ce je, nous, il trace symboliquement les étapes du cheminement spirituel du croyant. Au départ, il y a l'obscurité du je. C'est le je noyé dans son obscurité, dans son orgueil, dans les ténèbres de l'ego.
Ensuite, il y a le nous. Le nous symbolise la rencontre avec Dieu. C'est le je qui rencontre Allah, donc le nous. Le croyant chemine et là il rencontre Allah à travers la prière, à travers la lecture du Coran. Donc il entre en contact, il entre en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il sort progressivement des ténèbres du jeu et il commence à côtoyer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre symbolisée par le nous. Et enfin, Huwa, lui, symbolise l'effacement du jeu. Ça veut dire que là, le jeu n'existe plus. Il n'y a que lui, il n'y a que Allah, il n'y a que Dieu qui habite mon cœur et qui agit à travers ma conscience, à travers mon intelligence, et je deviens l'instrument entièrement disponible de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les étapes qui tissent, qui structurent le cheminement spirituel. Le jeu, noyé dans son obscurité, dans ses ténèbres, où il est enfermé sur lui-même, l'ego qui constitue un voile dans notre cheminement. Ensuite, il y a cette rencontre avec Allah symbolisée par le « nous ». Donc là, on dialogue avec Allah, on commence à se détacher de son jeu, on commence à relativiser l'ego en nous-mêmes. L'ego commence à perdre de son influence, commence à perdre de son pouvoir dans nos actions, dans nos choix, dans nos initiatives. Et puis enfin, il y a l'effacement de l'ego, l'extinction de l'ego au profit de l'éruption de la lumière d'Allah. Donc l'ego qui s'éteint et qui laisse la place entièrement disponible à Allah. Et à ce niveau, à ce stade du cheminement spirituel, chaque acte est destiné exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que chaque action que mène le croyant est exclusivement destinée à Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas partagé avec les intérêts de l'âme, avec les intérêts de l'ego. Parce qu'encore une fois, Allah, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne saurait cohabiter avec l'obscurité de l'ego. Donc le but ultime du cheminement spirituel, c'est l'extinction de l'ego. C'est que l'ego doit s'effacer, doit disparaître. Il faut déchirer le voile de l'ego pour permettre le jaillissement de la lumière d'Allah. Donc on voit que ce passage du Coran, la manière dont Al-Khidr, dont ce maître spirituel, dont ce sage, révèle ses secrets à Moussa, est très fort symboliquement. Il lui dresse en fait les étapes du cheminement spirituel. Délivre-toi de l'obscurité du jeu, de l'ego qui empêche la lumière d'Allah de rayonner en entrant pleinement dans la lumière de Dieu en passant par le dialogue, la rencontre avec sa parole, notamment Al-Qur'an, la prière qui est un dialogue, un moment d'échange et de dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'enseignement, il est l'enseignement symbolique surtout, il est celui-ci dans ce passage, c'est tout le jihad que doit mener le croyant dans cette vie, ce jihad nefs, et ce jihad pour qu'il puisse permettre cette extinction de l'ego doit être mené de manière disciplinée, de manière méthodique, avec rigueur, parce que la plupart du temps, les croyants, quand ils mènent leur jihad intérieur, c'est un jihad, comme je le dis souvent, je le répète, c'est un jihad qui est décousu, c'est un jihad qui n'est pas structuré, c'est un jihad qui manque de méthode. Donc voilà, on passe quelques jours à se faire violence, et puis après, il y a de longs moments de relâchement spirituel, de longs moments de trêve à l'intérieur de soi-même. Pourquoi ? Parce que c'est un défaut de méthode, c'est un défaut de discipline. On le voit avec le mois du Ramadan, les gens pendant le mois du Ramadan vont mener un véritable jihad, ils vont mettre de la ferveur, de l'intensité, et puis au lendemain de ce mois, il y a un relâchement total. Pourquoi ? Parce que ça manque souvent de méthode, ça manque de discipline, ça manque de rigueur. Et donc ça, c'est une question, encore une fois, d'effort personnel, de volonté. Il n'y a pas de recette miraculeuse, c'est entre soi et soi. Il faut se faire violence, il faut savoir s'arracher à l'indocilité de son âme. L'âme est indocile, elle perturbe notre cheminement spirituel,
elle nous installe dans une forme d'instabilité spirituelle dont il faut parvenir à se délivrer en, eh bien, en redonnant du sens au rite. Se réconcilier avec la prière, se réconcilier avec la lecture du Coran, se réconcilier avec la pratique du jeûne, donner du sens à ceci, parce que ce sont les rites, ce sont nos outils de transformation intérieure, ce sont ces outils qui nous permettent d'atteindre de hauts niveaux de conscience, de nous élever spirituellement. Donc ces rites de l'islam, malheureusement, que nous avons tendance à délaisser, à négliger, à dévaluer même, on n'accorde plus de valeur à ces rites. Et plus grave encore, c'est que parfois on essaye même de leur trouver des substituts ou des moyens de compensation, alors que les rites à eux seuls suffisent pour produire leurs effets et opérer une transmutation de l'âme humaine pour que cette âme cesse d'être chaotique et entre dans la paix et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, je vous souhaite une très bonne fin du mois du Ramadan, qu'Allah agrée notre jeûne, nos invocations, nos prières, et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.